Imagine-toi seul, dans un monde dévasté, entouré de zombies affamés et de terres stériles. C'est là que The Last Farmer t'invite, un mélange explosif de survie, d'agricultures ingénieuses et de combats palpitants contre des ennemis imprévisibles. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les secrets pour transformer des zombies en engrais, oui tu as bien entendu, créer ta ferme de survie ultime et assembler un véhicule badass capable de traverser le chaos, tout en écrasant tes adversaires sur ton chemin. Mais ce n'est pas tout, tu découvriras comment surmonter des forces militaires corrompues et peut-être même trouver des survivants. Une histoire intense t'attend avec des défis à relever à chaque instant. Le jeu est développé par le studio indépendant Geekon et il est édité par Midnight Games. Je n'ai pas trouvé énormément d'infos à leur sujet pour vous les présenter, mais il semblerait que leur studio soit basé en Moldavie. Si tu es prêt à savoir si tu as ce qu'il faut pour redonner vie à ce monde perdu, suis-moi, c'est parti, le gameplay du jeu The Last Farmer commence maintenant. Allez, nous sommes partis sur le jeu The Last Farmer. On va lancer une première game, nouveau jeu. On va jouer en facile ou en moyen, je vérifie. Les ennemis ont moins de santé, infligent moins de dégâts et les statistiques du joueur s'épuisent plus lentement. On va laisser du facile pour un gameplay de qualité. Êtes-vous sûr de vouloir choisir ce niveau? Il ne sera pas possible de le changer. Allez, pour l'aventure, on va faire ça. Le monde que nous connaissions autrefois a volé en éclats. Les anciennes lois et l'ordre sont oubliés. Les villes sont abandonnées. Ceux d'entre nous qui ont survécu se battent maintenant pour chaque souffle qu'ils prennent. Sous des nuages gris et empoisonnés, j'ai erré pendant de nombreuses années à travers des terres désolées. On en met dans l'ambiance, hein ? À la recherche constante de ressources pour survivre et d'un endroit sûr pour se reposer la nuit. Je suis fatigué et erré. Je suis prêt à m'installer ici, dans ce terrain vague. Sur les débris du passé, je construirai... un nouveau départ. Je créerai un endroit où la chaleur et le confort pourront être retrouvés. Un endroit que je pourrai fièrement appeler mon foyer. Et cet endroit, a priori, c'est ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là, la sensibilité, elle est beaucoup trop forte. On va la réduire un petit peu. Ok, on a des déchets. Bien sûr, l'idée de ce passage, c'est de nous apprendre des premières mécaniques, j'imagine. C'est quoi, ça? Oh non, c'est juste une tâche. Donc, la première mécanique, c'était de s'accroupir. La deuxième, ça va être de sauter. Très bien. Ensuite, on a quoi? Qu'a-t-on? A lake. Un lac. L'eau douce est une trouvaille rare dans ces régions. Cet endroit semble déjà prometteur. Ok, il y a un lac à gauche et puis là il y a une plante. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette plante verte? Récupérer. Oh, une patate. Ok, on va la laisser de côté dans l'inventaire. Il y en a une autre là-bas. Let's go. On part la chercher tout de suite. Elle brille, ce n'est pas pour rien. Très bien, donc deux patates. Le lac. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce lac? Ok, pas trop de fond. Il y a un passage, là. C'est quoi, ce passage? On peut y aller? Non, on peut pas s'accroupir. Est-ce qu'on peut se mettre à allonger? Non. Bon, il y a un passage, ici. Peut-être pour plus tard dans l'aventure, j'en sais rien. On avance. Donc, on a une barre d'énergie, une barre de stamina. Il y a une autre patate, là-bas, j'imagine. Il y a des petites cagettes... Finally, some shelter. Des palettes. Enfin un abri. Cet atelier a l'air abandonné, mais c'est peut-être ce dont j'ai besoin. Des cailloux, là. Ok, on peut les ramasser. Bon, allez, je prends des petits cailloux. Très bien. Les buissons, on peut les cueillir ou pas? Pas avec la touche E. Ok, on peut mettre des patates dans les buissons. Pas des patates, pas celles-ci, hein. Des patates avec les mains. C'est super. Alors, qu'y a-t-il ici? Une voiture inachevée. Si je parviens à la faire fonctionner, cela pourrait changer la donne en matière de sortie de récupération. Ok, il y a un volant. Ramasser. Eh ben, le volant, on va le poser là. Très bien. Une roue. Une petite roue à poser là. Allez, la petite roue. Inspecter l'établi et casser. Utiliser un marteau pour le réparer. Très bien. Inspecter. Alors, vous pouvez casser les arbres et les buissons en les frappant. Ah, on peut les casser en fait à force de les frapper.
Avec le clic gauche, ça fera des bâtons. Et ensuite, une fois qu'on a fait une arme, on peut aller récupérer des objets. Et les casser aussi pour récupérer du coup de la tôle, j'imagine, et des planches. Donc, l'arme, comme dans tous les jeux de farming, il faut récupérer du bois plus de la pierre. Donc la pierre, on en a déjà pris un peu. Je prends ça, parfait. Est-ce que je dois récupérer aussi des gros arbres là comme ça? Je me pète pas les mains. Ça a l'air d'aller. Ok, il y a de la planche même en faisant ça. Ça c'est pas mal. Construire une clôture autour de cet endroit m'aidera à protéger, je vais y arriver, des zombies errants. J'étais en train de regarder en même temps où je tapais. J'avais pas les yeux focus sur le texte. Donc il y a des zombies errants bien sûr. Hein. On est sur un jeu où la map va être, je l'imagine, infestée de zombies. Bon, je prends au max là, le bois. On sera jamais perdu tout ça. Il y a des petits cailloux derrière que je vais aller chercher là. Tac. Voilà. Ah, j'ai plus de stamina là. Je n'arrive plus à courir. Pas d'autres pierres. Non, ça, ça n'est pas. Ok, bon, on est pas mal déjà. On va faire le premier outil. Donc le premier outil, j'imagine que c'est là. Inspecter. Yes. Hache de pierre. On a notre hache. Pioche de pierre. On a notre pioche. Il y a une lance aussi possible. Donc la hache permet, je l'imagine... Ah oui, alors, à l'intérieur du bâtiment, on pouvait récupérer des trucs avec la hache. Pas grand-chose, j'ai l'impression. C'était pas avec la hache, c'était avec ça. Ah ouais, quand même. On peut récupérer les meubles. Très bien. Là aussi. Parfait. Là, on est bon. Qu'est-ce qu'on récupère d'autre? Oh, il y a un petit message là. Récupérer. Ah non, c'est de la tôle. Il n'y a pas un message, je croyais. Eh ben, on récupère ça. J'arrive pas à le casser. On met l'info là. C'est pas la bonne arme. Ah oui, c'est pas la bonne arme. D'accord. Donc là, c'est de la hache parce que c'est du bois peut-être. Là, qu'est-ce qu'on a là? Du bois aussi. Là aussi. Oula. Quoi ce bruit? Bonjour madame, est-ce que je peux vous renseigner? Oula, qu'est-ce qui vous arrive? Ah non, je suis désolé. Je ne me laisserai pas faire. Ok madame. Inspecter. Oh, c'est quoi ça? Du tissu. Il peut être obtenu à partir d'objets, d'accord. Donc il y a des objets qui auraient du tissu. Snack, restaure la santé, l'endurance. Attendez, on voit pas, il y a écrit dessus, voilà. Endurance, santé, faim. Ok, bah, je vais mettre ça là, hein, si ça peut servir. Et toi, je peux te ramasser. Ok. Oh là. Oh là là. Je vais te mettre là-haut. En déco, là, pour que tes copains, ils voient que t'es... Attendez, est-ce que je peux l'envoyer en l'air? Oh oui, je peux. Il y en a un autre zombie là-bas. Pardon, madame. C'était F. On va essayer de la jeter là. J'y arriverai pas. Ok, elle retombe sur place. Je peux pas la jeter en avant, j'ai l'impression. Ah, et je me trompe de touche encore. Mais c'est sur le côté. Ou si on peut. Bon. Écoutez, c'est pas grave. Ah, ça, je peux le péter. Un petit peu de tôle. Et une canette. Ça aussi. Outils d'artisanat club en bois. Ok, ok. Je peux fabriquer d'autres outils. Peut-être une arme, une première. Une torche, un club. Une pioche en pierre, il faut 3 pierres. Non, ça je l'ai, c'est la lance. Pour que les problèmes semblent les plus éloignés, une pierre. Je vais aller chercher une pierre discrètement. Il y a le zombie là-bas. Après, en vrai, il a pas l'air si méchant. Bon. Je vais où? C'est là. On va en profiter. Voilà. On récupère ça ici. On peut péter ça, j'imagine, ouais. Ça, on peut le péter ou pas? Ouch. Il y a une pierre devant moi, j'ai l'impression, là-bas. C'est une pierre, ça? Bah oui, plus caché encore. Plus enfoncé. Il est où, le zombie? Il est parti. Ça, on peut le péter. Bien sûr qu'on peut le péter. Ah non, il est derrière, il est à droite.
Ah oui, quand même. Ça fait le taf, là. Il y a une patate derrière, en plus. Parfait. Écoutez, je vais prendre les ressources qui s'offrent à moi. Je peux pas rester appuyé, là. C'est dommage, ça. Ça aurait été pas mal de pouvoir rester appuyé pour récupérer directement au sol le farm. Hop. Ça, c'est récupéré. La patate, tu viens avec moi. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? La lance. Ça, c'est important. On va la faire comme ça. Une petite torche, s'il y a la nuit, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal, je vais en faire une. Ok, dans mon stuff, il y aura une torche. La clé permet de réparer la voiture s'être endommagée par les zombies. 5 de... On va essayer ça. Et la clé, je peux la mettre là et utiliser. Ah non, c'est si elle est attaquée, pardon. Pardon. Donc là, elle sert à rien maintenant, quoi. Bon. C'est du stuff pour rien, ça, pour l'instant. Ok, la petite lance, c'est pas mal. Il y a quoi d'autre? Saut. Caisse en bois. Il faut une corde. Comment on fait de la corde? Corde. Il faut 4... Ils sont où? Quoi? Mais des tissus tout à l'heure. Là, je les ai utilisés pour faire quelque chose. Ouais, ouais. Les utiliser pour faire la hache? Non, bah non. Des conneries. Ah, la torche. Ah, la torche. Ok. Ça doit être ça. Bon. On va aller tester l'arme. Hein. On la teste. C'est parti. Doucement, madame. Ou monsieur. Madame. Ah oui, c'est déjà plus efficace. Hein. Ah, comment on fait pour récupérer? C'est avec contrôle. Cadavre. Ok. Ramasser. Tiens, je vais te mettre avec ta copine là-bas. Faire un tas de cadavres comme ça. Et on va peut-être les utiliser plus tard. Bonjour madame. Ok, ça va. Yes, 2 tissus, ça c'est bon ça. C'est F, à chaque fois je vais me tromper. Hein. Hop, ici, ma petite pile de zombies morts. Je peux le récupérer ça? Yes. Ah oui, même à l'intérieur. Très bien. Là, ça va taper dessus ou pas? Non, ça tape à mon avis ailleurs. Vu le bruit, ça a pas l'air d'être un bruit de métal. Je peux passer par là. Donc ici. On est bon. On casse tout ça. Là, je peux casser ou pas? Non. Là, je peux casser avec ça. C'était du bruit. D'accord. Ici, il n'y a plus rien à casser, peut-être ça. Ouais. Il n'y a rien dedans. Et tout. Dans les toilettes. Qu'est-ce qu'il y a dans les toilettes? Oh! Inventaire plein. D'accord, on peut pas récupérer. Ici, il y a quoi? Là. Qu'y a-t-il? Il y a juste... Super, elle est partie de l'autre côté. Elle s'amuse de moi, là. Que de la tôle, d'accord, je m'attendais... Ah, je peux passer comme ça? J'ai réussi à passer, là, dans l'autre sens. Ah oui, parce qu'elle a... Bah non. Ah, oh, ouais, ok, d'un côté ça passe, de l'autre non. Là, il y a quelque chose, non plus. Je m'attendais à ce qu'il y ait autre chose à récupérer que de la tôle, mais non, que de la tôle. Eh bien, tant pis, inventaire plein, ça y est, je peux plus rien récupérer. Il me faut donc, pour faire la corde, 2, c'est ça encore? Ouais, il me faut 2 tissus, donc on va aller chercher... Oula. Ça fait peur lui de courir comme ça. Ça a pas de courir comme ça, non? Eh, ma peinture! Ah non, c'était du sang peut-être. Oh, horrible le son qu'il fait là. Hop là, viens avec tes copines. Bah, attendez, il y en a plus que 2, il y en avait 3, non? Ah! Ils ont spawn. Du coup, ça sert à rien de les déplacer pour l'instant. Alors, les zombies, si j'ai bien compris, on va pouvoir faire peut-être de l'engrais avec. Ou du terreau, j'en sais rien, mais on va avoir un hachoir à zombies qui va faire. Je pense de l'engrais hein, ou de la, ouais, du terreau peut-être, j'en sais rien, pour pouvoir faire pousser des plantes. Ah oui, l'inventaire est plein, donc faut que je jette des choses, j'imagine. Je vais jeter ça dans le coin là. Qu'est-ce que je peux jeter? Les planches, hein, j'en ai plein, hein, on va les mettre là. Ah ok, elles sont ici, et là si j'inspecte, je peux les récupérer, d'accord.
C'est une petite bourse. Très bien. Donc là, on fait la corde. Artisanat. Et là, on va faire la caisse en bois. Parfait. La caisse en bois, j'imagine qu'il faut faire ça. Et on va la placer à la place de ces objets. Très bien. Là et là. Ok. Caisse en bois. Ici, ça me paraît très bien. Inspecter. Yes. Donc, je peux y poser déjà des ressources. Voilà. Toi, je te récupère. Je te mets... Oula. Je te mets dans la caisse en bois. Comme ceci. Et là, on est bon. Déplacer rapide, c'est avec contrôle. C'était marqué. Très bien. Ça, je pense que je peux le laisser là pour l'instant. Ça, on prend. Et je continue de récupérer du matos. Il me dit de faire club en bois ou je... juste outil d'artisanat. Ouais, faut que j'en fabrique un. À droite, il y a un petit tuto. J'ai l'impression qu'il faut passer par toutes ces étapes. Et il y a quoi? Pelle à pierre. Pelle à pierre. Ok, on va regarder comment on fait ça. Deux coups. Ouais, deux coups. Ça, c'est combien? Trois coups. Quatre, quatre. Quatre. Quatre coups. Compte les coups. Oh, il y a un lit pour dormir. D'accord. Quand on est fatigué, j'imagine que c'est la première jauge. Première jauge, c'est la fatigue. La deuxième jauge, c'est la soif. Troisième jauge, en bas à gauche, hein, je parle. La faim. Et quatrième jauge, la santé. Mon arbre. Mon arbre est... Mon arme, pas mon arbre. Mon arme est KO. Bon. On va récupérer ça alors. On va essayer d'en refaire une. C'était quoi? C'était la hache. Ah, il me manque un caillou. D'accord. D'accord. Caillou, caillou, caillou. Un zombie là-bas. On va aller le récupérer. Ah, je vois qu'un caillou là. Surtout faire ça. Détends-toi, mon pote. Oh, il va vite, lui. Merci, t'avais pas ce que je cherchais. C'est quoi, ça? C'est pas ce que j'attends ou ce que je cherche. Eh, hey, hey. Vous en avez peut-être vu des cailloux sur mon passage. J'avoue que là, je les vois pas avec le soleil qui se couche. D'ailleurs, soleil qui se couche, égale peut-être torche à récupérer. Là, il y a de la pierre. Ok, il y en a une là. C'est good. J'imagine qu'après, on pourra la récupérer directement ici. Quoique, on peut peut-être déjà, mais je crois pas. Hein. Pas sûr. Hein. Non. Ouais, ça fait un bruit, mais... Je suis pas sûr que ça fonctionne. Allez, je récupère au passage du bois. Ok, donc là, les petits morceaux de bois, c'est très rapide avec la hache. Ça one-shot, donc... Pas mieux faire. Allez. Il y a un zombie, là, qui arrive sur moi. Hop. Wow, 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 wow. Ah, la feinte qui m'a fait. La petite feinte de je m'arrête et en fait je reviens. Dur dur la feinte. Bon allez, je vais aller refaire l'arme. La nuit est tombée. D'accord. Je peux mettre des coups avec. Et puis on voit peut-être un peu mieux. J'en sais rien. Pour l'instant ça va ça en fait. Non, ça change rien pour l'instant. Peut-être après. Donc on va faire une hache. On va faire une pelle pour voir ce que ça fait. J'ai fait une hache, c'était pas une hache que je voulais faire. Le boulet. Le boulet. C'était une pioche. Il me manque 3 cailloux du coup. On peut pas les démanteler. Hein. Se séparer. Non, on va les mettre là pour l'instant. Je suis allé trop vite. Beaucoup trop vite. Bon, 3 pierres à trouver. Let's go. Oula, je peux taper avec la torche. Trop loin. Hein, elle est prête là, elle est prête. Ah ok, c'est le même nombre de tics.
Comment on va trouver les trois pierres là avec ce temps? Avec cette nuit qui tombe. Ce sera vraiment de la chance si j'en trouve un. On peut enflammer ça. Ok, non, ça tape juste. D'accord. Je vois du zombie au loin là-bas. On va peut-être pas aller fight tout de suite. Moi, je veux trois pierres. C'est tellement de la chance si je... Ah bah voilà, si je tombe sur de la pierre là. On voit rien au loin. Tout ressemble à de la pierre là. Ok, il y a du zombie. Ah bah il y en a deux là. Voilà, là, la chance est là. Bon, qu'est-ce que tu me veux toi? Ok. T'as eu ta dose. Tac. Bon, j'ai mes pierres, je peux aller faire mon arme. Et... Ouais, fallait l'avoir celle-là. Y'a quoi ici? La petite pierre là. C'est une batterie de voiture. Ça tombe bien, j'ai besoin d'une voiture à réparer. Enfin, j'ai besoin de réparer une voiture plutôt. La voiture à réparer, je l'ai. Aïe aïe aïe, plus de stamina. On marche tout doucement. Pas de zombies, ça va. C'est quoi le truc blanc là-bas? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le zombie que j'ai tué tout à l'heure. Ok. Bon, la batterie. J'imagine que c'est devant. Yes. Très bien ça. Bonjour, j'occupe le terrain, si vous pouvez dégager s'il vous plaît. J'ai pas l'arme. Ah oui, de loin, hein, de loin là, la lance. Hein. Oh, t'avais rien en plus pour moi, c'est nul. La musique change, que va-t-il se passer? Eh, soyez cool la première nuit là. Oh là là. Du cadavre. Non, j'ai pas fait l'arme. Je suis trop bébête. Aïe aïe aïe. Je vais aller la faire de ce pas. De ce pas. Allez. Ah oui, plus de stamina. Bon. Là, je me trompe plus. C'est pas une hache, c'est la pioche. On veut faire. Voilà, la pioche est de retour. Je vais aller libérer un petit peu de choses là. On va libérer ça. On va libérer ça, ça, ça. Et je suis déjà plein là. Je vais pas les ranger. Non. Non, c'est 12 max. Hein. Ok. On va refaire un deuxième coffre. Alors dans ce cas, c'est combien les coffres? Ah non, il y avait de la corde à faire. Une corde. Je ne peux pas faire de corde pour l'instant, on est d'accord. Ouais, j'en ai que deux. D'accord. Je suis d'accord avec moi-même. C'est déjà une bonne chose. Donc il faut trouver soit des zombies, soit des objets qui contiennent du tissu. Alors, y a-t-il autre chose dans cette zone que la batterie? On va aller voir ça, même si de nuit c'est un petit peu plus angoissant, anxiogène. Pas l'impression. Ah si, là. Ok, l'essence, je peux la garder dans la poche, tout va bien. Tunnel là. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en suis séparé. Oh, on s'en sépare comment? Shift? Non. Non. Comment j'ai fait ça? Ah? Ah oui, j'ai fait A. Ah et ça l'a viré. D'accord. Ça, c'est ça. Alors, y a-t-il des choses intéressantes? Ouh! Un ange. Que ça? Non, juste ça brille, hein. D'accord. Ouais, ok. Un canon. Un engin militaire, encore un là. Ouh, bah monsieur. Il y a marqué quoi là? Inspecter. Cadavre. C'est quoi ça? Bandage. Bah merci monsieur. Inspecter, il n'y a plus rien, on est d'accord. Hein. Merci monsieur. Et à paix à votre âme. Ouh là là. Ah non, c'est des bouchons, d'accord. Je crois que c'était des canettes. Et là, dis donc, il n'y a plus grand chose. Hein. Le tunnel est condamné, là. Il n'y a rien, là, c'est quoi ça? Non. Très bien. Voilà, il y a le canon. Bon, le tunnel n'est pas exploitable. Bon, on a eu quand même des bandages et puis des bouchons. J'ai cru voir quelqu'un, mais non. Il y a quoi là-dedans? Une planche qu'on ne peut pas récupérer.
parti, on peut. Très bien. Alors, qu'y a-t-il là-haut? C'est la petite tour qu'on voit de loin, là. Oh là là là, la chute. Oh, y a pas de dégâts de chute? Attendez. Cette dinguerie, un jeu sans dégâts de chute? Attendez, attendez. Y a zéro dégâts de chute, là, on est d'accord. Ils n'ont pas codé encore les dégâts de chute dans le jeu. Ça fait trois fois que je tombe au même endroit, là. Hein. Les deux premières fois, c'était fait exprès pour tester. Le troisième, ça ne l'était pas. Bah écoutez, s'il n'y a pas de dégâts de chute, on va aller en haut de la tour, on va voir. Hein. On va voir si on peut se jeter au milieu comme ça. Hein. Attends, qu'est-ce qu'elle monte, cette tour? Là, on est bon. Trousse de premier secours. Inventaire plein, ça y est. Il est plein à nouveau. Ok, il y a quoi, là? Il y a quoi, il y a quoi? Il n'y a rien autour, là? A priori, non. Donc on reviendra ici parce qu'on sait qu'il y a des objets là-haut à récupérer, et là je vais tenter. Hein. On est d'accord. Il y a des dégâts de chute. Très bien, c'est super. Il y a une lumière là-bas, c'est quoi cette lumière? On va aller récupérer le stuff. Hein. Oh, j'espère qu'on peut le récupérer, attendez. Ouais. Bon, qu'il y a des dégâts de chute, mais c'est hyper violent en fait. Ces dégâts. Et sur la map, on voit mon inventaire ou pas? Ouais, on le voit. D'accord. Bulletin. Butin, pardon, pas bulletin. Butin, butin. Parce que là, j'ai plus ma lampe. Ok. Inspecter. Ah bah voilà, il y a tout là. Très bien, très bien. Rendez-moi tout ça, s'il vous plaît. Ça, ici. Ça. C'était comment? C'était comme ça. Quoi ça? Belle la pierre. Ah oui, c'est vrai. Là, c'était là, je crois. Bam, 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 bam. Les patates, en vrai, on s'en tape un peu pour l'instant, non? Plutôt faire comme ça. Hein. Tac, 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 tac. Ouais, c'était bien ça. C'est bien. Très bien. Bon, je vois pas grand chose là. C'est quoi cette lumière là? Hop, je me prends la tête dans le haut de la porte. Y'a pas un zombie par là tout à l'heure? Non, j'ai eu une hallucination. C'est quoi cette lumière là? C'est un PNJ? Oh, ok. Il a sa petite lampe accrochée au sac, là. Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous? Ce n'est pas souvent que l'on rencontre un voyageur dans ces contrées. Je suis marchand. Vous pouvez marchander, et si vous cherchez l'aventure, il y a une tour, tout près, où moi et les autres survivants extrayons du fer. Il y a aussi des marchandises à vendre, alors pensez... je crois qu'il a dit à venir me voir, j'ai pas eu la faim. Ok. Donc on peut... vendre tout ça, j'imagine. Ouais, vendre. Pour 0, c'est pas mal. Ok, les patates se vendent 15 et le reste 0 ou 1. Bon, c'est nul. Et on peut acheter de la tôle, de la nourriture, de l'eau, sac de couchage. Très bien, bah on sait que t'existes. Merci. Oh, j'ai eu peur, c'était un buisson. J'avoue que le jeu, il m'angoisse un peu, là, de nuit, comme ça, avec le brouillard et tout, là. Ça, on peut le récupérer? Ouais, on peut. J'ai encore de la place dans mon inventaire pour récupérer ça. Non, inventaire plein, d'accord. Eh ben on sait que c'est là. Oh, il est mignon le nuage flottant là-bas au loin. Oh, celui-là aussi. Ah, un zombie. Eh, viens là toi. Attends, je peux le taper avec ça? Ouais. Ouais. T'avais rien sur toi en plus, tout ça pour ça. Bon, ça m'angoisse un peu cette nuit-là. J'ai envie de passer à la journée suivante. Dormir, ça fait quoi? Merde, je suis pas fatigué. C'est con, ça. Ah oui, je suis tout plein, là. Ah bah oui, parce que je suis mort. Bah oui, quand on est mort, on se repose. Bien sûr. Ça va être ça. Faut que je fabrique un club. Hein. Et le club en bois à faire. C'est 4 et j'ai 3, c'est ça? Bon, on va l'en chercher, là. Eh, on en a pas. La musique est angoissante. Un petit buisson. Il y en a un là. C'est pas un petit buisson. Là. Ok, on a les 4. On va prendre un petit peu plus. Je l'ai pris. Non, je l'ai pas pris. Là, je l'ai pris. Allez, donne-le-moi. Yep. Yep. Là. Let's go. Plus de stamina.
Ah bah ça y est, le jour se lève. Très bien. Il y a marqué quoi là? Aucune idée. Le jour s'est levé, on va finir le tuto à droite là. Alors je sais pas si c'est un vrai tuto, mais vous voyez ce que je veux dire. Club en bois, artisanat, c'est fait. L'inventaire est plein. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ben, je t'offre ça ici. Je t'offre ça, non pas là. L'inventaire, il est plus plein. Et là, il est plein à nouveau. Et il me faut du tissu. Donc, deux jardinières, deux lits. Hein, deux planches et lit 2. Ok. Des lits? Comment ça, des lits? Ah si, lit. Lit, c'est saleté, creusé avec une pelle. Planche de bois, 3. Mmh. Ouais. Il va falloir creuser avec une pelle. Alors, attendez, là, je peux plus rien faire. Donc, je suis obligé de laisser des trucs... Qu'est-ce que je vais laisser? Ça, hein. Ça par terre, ça aussi. Hein. Et donc là, il faut du bois. Et une pelle. Je l'ai, la pelle. C'est une pelle, ça. Ouais, j'ai une pelle. Quoi, cette musique angoissante encore? Mec. Ouh. Viens par là. Oh là, papy, qu'est-ce qu'il y a? F5 pour sauvegarder rapidement. Ok. J'écoute, je fais F5. Pour l'instant, ça bouge, ça bloque tout. Ah oui, d'accord. Ça c'est marrant. Ça a figé complètement le jeu. J'ai bougé la souris et à la fin de la sauvegarde, ça a défigé, défrise l'écran. Et la souris, forcément, elle était partie dans le ciel, quoi. Petit caillou, là, on va le prendre. Avec E. Il y en a un autre là-bas qui suit. On les prend. Bam. Et donc là... Est-ce que maintenant... Par le plus grand des hasards, je peux faire un saut. L'utiliser pour arroser les plantes et les mangeoires et pour boire. D'accord. Et le lit... Ah non, c'était pardon, la saleté. Il fallait que je fasse ça. J'ai oublié, je suis sorti pour ça. Le zombie m'a perturbé. Alors donc là, je peux prendre des choses au sol? Pas du tout. Ces conneries. Et quoi ces bruits là? Hein? Rien à prendre avec ça là. Je ne comprends rien à ce jeu pour l'instant. J'ai ça à récupérer. Là. Ouais. Non, c'est pas le bon. Ça c'est le bon. Mhm. Double. Ouais. Inventaire plein, ok. Eh bien, on viendra récupérer les plaques plus tard. Il y en a une là aussi à récupérer. Toi, tu te répares ou pas? Non, je peux pas. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Une lance de pierre, ça je l'ai. Un établi portatif. Le marteau. Et il faut un, j'ai pas assez. Une corde, mais j'ai pas assez. À quoi il sert le marteau? Ah si, c'était peut-être ça pour réparer l'établi. Ouais, marteau, bah ça va être ça. Il faut trouver un tissu et let's go. Et on répare l'établi. Allez, viens là, toi. Donne-moi un tissu, s'il te plaît. Allez. Voilà. Il suffit de demander dans ce jeu. Tout simple. Allez. On peut faire donc. La corde, voilà, l'inventaire est plein, on va jeter ici des choses, on va jeter quoi? On va jeter les planches et les patates, voilà, là cette fois-ci je peux faire la corde, et ensuite j'ai jeté les planches, il ne fallait pas, on reprend les planches, et on fait le marteau. Et là, maintenant, on équipe, j'imagine, le marteau. Boum. Pas assez de ressources, il faut quoi? 20 planches. Comment ça, 20 planches? Des planches que je n'ai pas? Si. Je les ai. Réparer. Ok. Santé est plein. On peut réparer les objets. Inspecter, non, rien à voir.
Ah non, c'est la santé, parce qu'on peut réparer avec ça, genre l'établi, tout ça. Par contre, là, ça n'a rien à voir. Donc, on peut faire des murs, des défenses, sol, porte. Ok, on peut faire un truc complet, quoi. Mm-hmm. Bon, j'ai déjà l'immeuble, là. Je sais pas à quoi ça sert de refabriquer à côté autre chose. Peut-être... j'en sais rien. Peut-être pour farmer dedans. Aucune idée. Par contre, j'ai toujours le lit x2, là. C'est quoi ces conneries? Non, lit x3? J'en sais rien. Inspecter, lit. 1 x 3. Oui, c'est la saleté, la fameuse saleté. Un zombie. Ok. Je peux rien faire avec ça. Non. Aucune idée de comment ça marche, ça. Je ne sais pas. Je ne sais tout simplement pas. J'en suis où, là? Oh là, je suis plein, là. Ça sert à rien de partir en expédition en étant plein comme ça. On va en laisser là. Hop. Donc déjà, ça, je ne sais pas comment ça marche, je le vire. Là, j'ai besoin de tout. Marteau, non. Là, bon, ça va. Hein. Bandage, ça je laisse, ça je laisse, ça je laisse. Canette, est-ce qu'on peut en boire une? Pas comme ça, c'est ici, ça et ça. Okay. La batte, en fait, je pense qu'elle sert à rien avec la lance. Hein. Je vais la laisser là, les cailloux aussi. Voilà, comme ça on est bien. La boisson, est-ce que je peux boire un petit coup? Ouais, je suis full. Très bien. Alors, j'avais des trucs à récupérer là, je crois. Est-ce que c'est toujours par terre? Bien sûr que c'est toujours par terre. Et on va prendre le reste. Comme ceci. Ça, je peux le prendre ou pas? Non. Et il y a cette barrière aussi. Parfait. Celle-ci. Enfin, cette barrière, pardon, cette ressource. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas? Ça monte, là. Il y a un bâtiment, là. Quel est ce bâtiment? Et il est où, le mec qui vendait, là? Il était là, non? Il est pas là la journée, le vendeur. Peut-être. Je n'ai plus de stamina, donc faut pas me faire... faut pas que je me fasse agresser par les zombies. Ça y est, la stamina est revenue. On va aller voir la maison. Sur la route, si je vois de la pierre, je prends. Ça peut toujours servir. Il y a des pierres là à gauche. Je n'aime pas beaucoup cette musique changeante. Il n'y a pas grand monde. Il hein. Y a plus de cailloux que de zombies dans ce jeu, déjà. Ah oui, il y a vraiment plus de cailloux. Il y en a un là. Un là, ok, il y en a. Oui, on voit dans... Oh là là, je me suis trompé de touche. Ouais, bah ouais, ça je vais le payer. Ok, y'a rien, en plus t'as rien, tu sers à rien. Y'en avait un là-bas aussi. C'est ton jumeau ou quoi l'autre? Ah ouais, d'accord, ils spawnent devant nous les zombies, même pas. Ah oui, y'a plus de respect, messieurs les développeurs là. Dans notre champ de vision le spawn, bien sûr. T'as rien toi aussi. Ok, toi non plus, tu sers à rien, bon. Qu'y a-t-il dans cette maison? Elle est bien ajourée, donc. C'est quoi ce trou? Bonjour! Tac tac! Qu'est-ce qu'on peut récupérer là? Oh, il y a du canapé là, on peut peut-être récupérer un peu de tissu. Tissu et bois, c'est ça? Ouais, tissu et bois. Parfait ça. Tissu, bois. On peut tout récupérer. Là, on va prendre ça. Que du bois, d'accord. Ouais, que du bois. Pour l'instant, je vais pas prendre. Là, il y a du tissu, j'imagine. C'est des plaques au sol, c'est quoi? Aucune des toilettes. Ouais. C'est quoi que j'ai récupéré? Des graines de concombre. Ouais. Ok. La chaise, est-ce qu'il y a que du bois? Que du bois. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à récupérer, j'ai l'impression. Non, ça va être du bois, ça. Ok, du bois. Oh! Le fameux... Et on n'est pas loin de récupérer la voiture complète, là. C'était par là. Hein.
C'est par là, mais il y en a trois. Attendez, faut que je les jette. Faut que je les jette avec A. Ouais. Ouais, deux là, deux en même temps. C'est pas, pas très équilibré ça, madame. Trois en même temps. Wow, 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 wow. Oui. Bien sûr, tu vas avoir ta dose toi aussi. T'inquiète pas. Le bruit est horrible. Horrible bruit, tiens-toi là-bas. Wow! Zombie! Oh, il y en a deux. Carrément deux. Ouais. Ouais, toi, j'ai déjà vu ton frère aussi. Hein. Et hop. Ok, il n'y a rien. Putain, quel carnage là. Il y en a du zombie ici. Hein. Mes propres pas me font peur. Les bruits de mes pas. Il y en a d'autres là qui arrivent. Ouais, il y en a là-bas, deux là-bas. Mais parce que pour avoir du tissu, c'est pas mal de les fight quand même. Hein. Attrapez-moi! Oula, elle vient direct elle. Il y en a trois. Les coups qui me mettent. Voilà, tissu. Tissu s'il te plaît, tissu vide. T'as rien toi. Oh, tu cries bizarrement toi. Allez, t'as de la chance. T'es équipé. Ah, c'est là-haut, ok. J'entendais un zombie, je sais pas d'où ça vient. C'était par là, je crois. Non, pas par là, c'était par là. C'était par là. Ouais, c'est ça. La map, elle donne quoi? D'accord, là, il y a un mur, en fait, à gauche, donc j'ai bien fait d'aller... à droite, donc j'ai bien fait d'aller... de reprendre le chemin de l'allée. Ouais, c'est ça. Là, c'était où il y avait les panneaux en tôle. Un zombie devant chez moi. On va aller courtoisement, ça, on va dire ça, de manière courtoise, le saluer, courtoisement, ça doit être ça, hop, voilà, et t'as rien en plus, c'est nul, c'est pas du jeu ça, c'est pas du jeu. Voilà, il manque quoi la voiture? Il manque un moteur, non? Ouais, y a pas de moteur, ok, roue. Elle a toutes ses roues. Faut trouver le moteur. Eh bien, on va essayer de trouver le moteur. Il était pas là. Ah, caillou. Il y a de la place encore dans mon inventaire, ouais, un petit peu. J'aurais peut-être dû faire un deuxième coffre. Possible. Peut-être le regretter. On va retourner dans la maison, voir si on a rien oublié d'autre. Peut-être un moteur, hein, en vrai. Hein. Qui sait ? Musique triste. Alors, on est de retour sur la maison. Il y a de la pierre là. Je reprends les pierres qui passent. Hein. Enfin, plutôt les pierres qui sont sur mon passage. Elles passent pas, elles ne bougent pas les pierres. Pas à ma connaissance. Allez, des zombies sont revenus. Trois en plus. C'est le carnage. Je vais te faire ta fête avant, toi. Tu me fais mal, madame. Allez, y'a rien. Plus que 3, là. Putain, y'en a beaucoup de zombies dans ce coin. Et on est la journée. Bah vas-y, toi tu as le droit de me mettre des coups à moi, c'est ça? C'est comme ça? C'est comme ça qu'on fait un jeu équilibré? Oh, y'a rien. Ok. J'ai bientôt la lance qui est morte là. Alors, recréer une. Alors, qu'y a-t-il d'autre dans cette baraque? Pas un petit moteur là? Non. Pas pour l'instant. Il y a quoi d'autre ici? Juste une roue. Tout. C'est tellement décevant. Il y a quoi là? Il y a inspecter? Ah non, c'est interagir. Tellement décevant qu'il n'y a rien d'autre. Bon, allez, oh, je vais pas faire la vaisselle. Hein. À l'étage. Une dinguerie quelque part. Oula. Ils se sont fait saisir, il y a... Il y a plus rien. Je peux dormir. On se lit. Je peux casser le canapé. Ouais. On va récupérer du tissu. Moi, je vous le dis. Voilà.
Un seul, malheureusement. Ok, des bouchons de bouteilles encore. Je sais pas du tout à quoi ça va servir, mais très bien. Éclater cette zone. Ok, on peut péter les murs? Pas vraiment. Ok. Qu'est-ce que je fais accroupi? Allez! Salut! Je vais récupérer du tissu. C'est bien là le marchand de tissu? C'est là, hein, c'est toi? Oh là là, j'ai raté mon coup. Voilà, ça c'est bien ça. Vas-y, donne-moi son toi. Non. Ok. Il y a de la place dans l'inventaire. Il y a quoi de plus loin là? Je vois un bat au loin là, c'est quoi? C'est un train? Un bat? Ouais, il y a un train, j'ai l'impression. Ouais, il y a un train. Ah non, un camion. Il y a des gros bats là. Hein. On est sous gros zombies aussi. Ah oui, il y a toute une zone là. Ok, bon, le jeu a fait planter la captation vidéo au moment où j'ai fait l'enregistrement avec F5. Donc il y a un petit bug là, entre une incompatibilité entre le jeu et le logiciel de capture vidéo. J'ai un tout petit peu avancé, mais pas grand chose. J'ai quand même débloqué la voiture. Alors ce qu'il y avait, c'est un moteur, je vais vous montrer où. Il y avait un moteur à récupérer un peu plus loin. On va y aller ensemble, il faut mettre de l'essence. On doit avoir un jerrycan avec de l'essence là. Ici, le bidon d'essence, il est full en plus. Donc on va aller en mettre, j'imagine, dans la voiture. Donc en gros, j'ai juste ramené un moteur, et en ramenant le moteur, hop, on pousse là. Hein ? Ah oui, je peux pousser la voiture, bien sûr. Comment on met de l'essence ? Comment entrer ? Ah là, carburant. 20 sur 20, et il m'en reste un peu là. Inspecter. Oh, ça c'est bon ça. Par contre, ça, c'est moins bon. C'est où? C'est là. Ok, monsieur. Ramasser. Boum, boum. Donc, je disais que j'avais récupéré... Pousser. À quoi ça sert, ça? Entrée. Très bien. Quitter lumière avec L pour light. Radio R. Oh là là. Peut-être pas s'embêter. Interrupteur. T. Bon, je sais pas. Est-ce qu'on peut les kill? Oui, on peut. Échappe pour sortir, d'accord. Il est où? Il est là. On peut donc. Bon, ça va alors. Pour l'instant, ça va. Donc, on a que cette vue-là, on est d'accord. Hein. Ouais, oh, ça trace. Bon, le jeu a replanté la captation vidéo. Heureusement, j'ai un deuxième écran pour monitorer ça. Et donc, ici, il y a la maison qu'on a vue ensemble où ça a planté la première fois, malheureusement. Bon, toi... Huch, j'abîme la voiture. Ou c'est du sang. Je ne sais pas. Oh, ça trace. Ça trace tellement, cette voiture. Donc, vous voyez, ici, il y a plusieurs battes. Et dans un des battes, il y avait le moteur. Donc, c'était ici. Par contre, elle tourne pas du tout. Ok, c'est bon. Donc on n'a pas vu ensemble... Oh, stylé la vue que ça fait. Mais c'était dans ces bâtiments-là, je les ai un peu tous loot, il n'y a pas grand-chose d'autre. On va aller un peu plus loin. Et la map, en fait, du coup, elle se découvre, on est d'accord. Hein. Ah oui, elle est grande, la map. Ah oui! Ah oui, quand même. Bon, on va aller un peu plus loin. Allez-y, sautez-moi dessus, vous allez voir ce qui vous attend. Faut faire une première jardinière, là, déjà. Hein. C'est vrai qu'on va peut-être suivre les indications. Je vais juste aller voir ce qu'il y aurait ici. Ok... on va sortir. Et je garde un œil sur la captation vidéo. Histoire de faire un épisode pas trop haché, mais bon, je n'y peux vraiment rien. Je sais pas pourquoi il y a cette incompatibilité là. Le jeu, pour info, hein, quand il se lance, quand il charge, il met 1 à 2 minutes. Il est pas super opti au niveau du chargement. Et il plante complètement le jeu. Il met un message, ça peut prendre 1 à 2 minutes, patienter. Et en fait, ça met carrément... comment dire, un curseur de chargement. Comme si ça avait planté. Et Windows me dit, est-ce que vous voulez relancer ou attendre que l'application reprenne ses esprits, quoi. En gros. Y a... C'était ça. Y a pas du tissu, là, à prendre. Bien sûr que non. C'est un lit en bois. Pas très confortable. Hein. Bordel, ici. Ah, là, y a un truc. Des graines, d'accord. Quel bordel! Range tes affaires.
Ok, nouveau plantage du logiciel de capture. Donc ce que j'ai fait, j'ai lancé en mode sans échec le logiciel OBS de capture vidéo. On verra bien si ça fonctionne. Pas mal ce véhicule là, il a pas l'air abîmé celui-là. Je peux le piquer? Pas du tout. Peut-être il est abîmé. Ok. On va loin sur la map là, hein. On va loin, regardez. Regardez où nous sommes. Il y a des quêtes là, c'est quoi ça? Inconnu, camp de soldats. Allez, on va voir. Là, je me suis trompé de touche, pardon. Camp de soldats, donc c'était sur la gauche là. Par là? Non. On y va comme ça? Pas sûr de moi là. Oh si. Where? Si, si, il est là le camp. Il est là. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Oula, il y a du soldat devant. Ils vont me tirer dessus? J'en sais rien. Ils sont armés. Bien sûr qu'ils sont armés. Je le tente. Je suis loin, hein. Je suis très loin. Hein. Ils me tirent dessus, je suis mal. Hein. Ils tirent dessus. Wesh. Attendez. On n'a pas le choix. Oh, je suis désolé, soldat. Mais là, là, il y a une urgence. Je vais te prendre ton arme. Eh oui, mon gars. Eh oui, mon gars. Et oui! Oh, ça va être chaud de viser. Comment ça? Ah, en plus, on peut pas rester accroupi. Attendez, attendez. Camp de soldats, comment on fait? Comment on fait? Putain, prends les armes là. Non. Non. Ah, il y a une touche pour reload peut-être. R. R. Ok. Oh, tu prends pas tes balles. Bon, par contre, c'est très mal fait au niveau des armes, j'ai l'impression. Très très mal fait. Hein. J'ai plus de balles. Quoi ça? Opéré. Ma hache. J'avais jeté ma hache. Dans le... Oh là, je vais me jeter dans la gueule du loup, je pense, là. On tente. Où c'est t'es là, t'es là, t'es là. T'as juste une arme, moi c'est pas... Des munes dont j'ai besoin, mon grand. Plus de munes, là. Comment je vais le fumer, l'autre soldat, là, si j'ai plus de munes? Tente. On le tente. Infiltration. Et en mode sans échec... Oh, laisse-moi tranquille, frérot. En mode sans échec, ça passe. Ouais, c'est qui, ça? Machine à engrais, putain. Récupérer, c'est quoi ça? Il tire encore dessus? Ouais, il me tire encore dessus. Récupérer quoi? Je suis bloqué. Ah, c'était la chaise, ok. Récupérer de l'eau, vraiment? Putain, je veux des munitions. Pas d'autres mines là? Oh, l'infiltration dans le. Interagir. Oui, bah oui! Pas d'autres soldats là? C'est tout? Que ça? Putain, j'ai une arme sans mune, c'est quand même une dinguerie ça. Qu'est-ce qu'il cache là, le soldat? Non mais je vais aller le fumer à la main. Hein. Je vous le dis. Hein. Je vais le fumer à la main. Il a l'air éclaté. Ok. Ouh, il va me fumer ou pas? Voilà, 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 voilà. Ouais, mais bon, je vais pas avoir 12 armes si j'ai pas de mune, ça sert à rien. Monsieur le soldat, là. Donnez-moi des munitions. Ça servait à rien, tout ça. Bon, il m'a pas fait trop mal, hein, en vrai. En vrai, ils sont un peu nuls, les soldats. Voilà. Récupérer inventaire plein, attendez. Inventaire plein, comment ça, inventaire plein? Déjà, on va faire ça. On va se mettre d'accord. Même pas utiliser ça. Ah si, ça y est. Ah non, c'est la nourriture. C'est parce que je pensais que c'était des munes, mais non, que dalle. Bon, y a rien, il y avait des munes, 5 munes, je les ai utilisées. Bon, ok, soit. Mais c'est pas grave, j'ai encore ma voiture, allez. Ah, allez. Ich. On est où là? On est rentré dans une zone militaire ou pas?
aucune idée. Hein. Ouais, ça a l'air. Hein. Il y a un bat là. Container. Je vais me retourner avec ma voiture là. Que des containers là, y a rien d'autre. Y a des petits points d'interrogation. Elle est grande la map, hein. Ich. Ouais, là c'est des zombies. Ça tourne que quand j'accélère la voiture en fait. Bougez de là les zombies. Là-bas y a une porte peut-être, ouais. Bon écoutez, y a rien ici. Hein. On va retourner à la maison. Là je vais taper ou pas? Oui. Heureusement ça fait pas trop de dégâts j'ai l'impression, par contre l'essence j'en ai dans le coffre un petit peu. Ok, on retourne à la maison. Let's go. Si je me souviens de la du trajet, à gauche et à gauche, à droite, ok. À droite là ou après? Ouais là ça passe, ça passe. Ça a l'air de passer. Ok. Pour l'instant, ça ne replante pas OBS, donc tant mieux, je vais pouvoir finir l'épisode, c'est quand même une bonne nouvelle. Attention! Je t'avais dit attention! C'est quoi cette lumière là-bas, là? Ça clignote fort au bout. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Il arrive, en fait. C'est notre pote, ça. Qu'est-ce qu'il fout, là? Il est où, là? La maison, elle est là, et moi, je suis où, là? Je suis là. Il est en train de s'en aller, non? Il fallait que je revienne à gauche. Ok, c'est dans mon dos. Je me suis trompé. Light, peut-être qu'on peut mettre des lumières, hein. Ouais, enfin, on voit pas grand-chose de plus. Donc là, on revient, c'est ça, et à droite. Eh, faut se repérer dans ce jeu, hein. À droite, ici. Passe la maison et à droite. Voilà, par là. On connaît ici. Oh là 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 là, ça dérape! Comment je trace dans ce jeu? Et on est arrivé. Ok. Ça, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Inspecter. On peut mettre des murs de défense, abreuvoir, blablabla. On a dit qu'il fallait faire des lits, c'est ça. Hein. Il faut 3 planches, de la saleté. Mais comment on récupère cette foutue saleté? Ça, ça n'a pas l'air de fonctionner. Hein. Pelle à pierre, est-ce que c'est ça? Rien du tout, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'accord, là, 2 lits, je sais pas quoi, là. Lit, saleté, creuser avec une pelle, bah frérot c'est ce que je fais hein, je te promets que j'essaye hein. Il y en creuse où? Il y a des endroits particuliers à creuser. Bugué hein. Attendez c'est bien ça une pelle non, il y a pas d'autre, je l'ai jeté. Ah si, pelle, ah non, pied à la pierre, ah non. J'ai l'impression d'avoir pris 2 trucs là. Hein, mais je sais pourquoi. Parce que mon inventaire est plein, c'est ça? Ah, c'est aussi con que ça, vous allez voir. Je pense. Regardez. Et là, ça va marcher. Je suis un peu couillon. Vous pouvez pas me le dire? Eh ouais. Vous pouvez pas me le dire, le jeu? Pas possible, ça. Ok. Oh bah toi. Toi, t'as de la chance que j'ai plus de mine, hein. T'as vraiment de la chance, ma grande. Ouais, 4 tissus. Attends, toi, je vais venir te les chercher. Déjà, ça. Je vais venir chercher tout de suite tes 4 tissus, là. Là. Bon, très bien. Ensuite, on revient là. Des planches de bois. Planches de bois. C'est tout, il n'y a que ça. Bonne planche, je les ai bouffées ou quoi? Je pense en avoir plus.
1, 2, 3. Jardinière. C'est où la jardinière? Lit, j'en ai 3 là. Hein? Ah non, ils sont pas là les autres. D'accord. Je les ai pas créés. Ah. Ouais, inventaire plein. Oh, que c'est chiant ça, cet inventaire plein tout le temps là. Qu'est-ce que je vais jeter là? Ça, ça. Ouais. Et puis, j'en sais rien moi ça. Donc. Non. J'étais un truc en trop là, ça. Ok, on recommence. Un lit. On est bon, les lits, c'est bon. Réparer le véhicule. Ouais, avec quoi? C'est. Avec quoi on le répare? Avec ça? Pas du tout. Réparer le véhicule. Eh ben, je ne sais pas avec quoi. Aucune idée. Plan, machine à engrais. Ah bah voilà. Il faut 3 tôles, une corde. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. L'inventaire est plein encore. Ah mais c'est les armes là, c'est les armes, c'est les armes. J'ai 3 armes. Acheter 2. Voilà. Donc on a dit une corde, 3 tôles. Ok, on va laisser les 6 là. Et là, machine à engrais. Machine à engrais, elle est là. Bon, cette machine, on la met où? On la met là? Moi, j'ai envie de mettre du zombie là-dedans. Faut tourner la manivelle, d'accord. Ouh là là, ça va être quelque chose, cette machine. On va la mettre ici, là, bien visible des zombies. Attendez. Là, on va aller dormir un petit coup, parce que j'en ai vraiment marre de cette nuit. Voilà, on dort, sommeil. On est le lendemain matin. C'est bon? Voilà, ça c'est bon ça. Et le zombie il est là. Et j'ai mon arme qui est là. Hop, et là, jour 4. Le zombie ramassé. Ah, on va peut-être l'inspecter avant, attendez, attendez. Oui, oui, on récupère ça. On le ramasse, attention les yeux. Engrais. Hop là mon petit gars. Démarrer. Et là, il va me servir de l'engrais. Eh, elle est pas belle la ferme là? Ah, on est comme ça nous. Hein. On est comme ça. On utilise du zombie pour faire de l'engrais. Ramasser. Hop. Écoutez, hein, c'est comme ça qu'on survit dans... Ah bah ça... Ça fonctionne tout seul la machine. Et voilà, sac d'engrais, c'est trop beau, magnifique. Et là, nos petits sacs d'engrais, ils sont où? Ils sont là. Fabrication artisanale. Ils sont là, nos beaux sacs d'engrais. Bon, maintenant qu'on a fait sac d'engrais, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? L'armée, qu'est-ce qu'ils veulent? Oh non, ils vont venir me racketter. Ils arrivent là. Qu'est-ce qu'ils font? Oh putain. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent vers chez moi. Hein. Oh, c'est une cinématique, je peux pas le passer. Sacré véhicule. Hein. Ils s'arrêtent. Je vous enfin rattrapé, maintenant écoutez attentivement. Putain, il a vu que j'avais tué. Le grand désert est sous notre contrôle. Et vous devez tous être sous notre protection. Cela signifie que nous viendrons ici une fois tous les 3 jours pour récupérer notre paiement en nourriture. Oui, bah bien sûr. Si vous refusez, vous aurez de sérieux problèmes. Maintenant au travail, il nous faut des bons légumes. Ah ouais, ouais, je suis ça. Enfin, vous avez compris, quoi. Il est en train de me racketter, quoi. Ah ouais, d'accord. Comme dirait un certain Omar Sy. Incroyable. Le gars est venu juste me racketter, normal. Chez moi. Je vais devoir me défendre des zombies et des militaires, là, vous pensez? Bon, toi, viens là. Boum, boum. Je vais faire une petite jardinière quand même avant de terminer l'épisode. Hop, 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 F. Bon, je suis bien content que ça ne plante pas en mode sans échec. Enfin, je dis ça, si vous voyez cet épisode jusqu'au bout, c'est que ça a fonctionné. Sinon, vous le verrez pas, hein, ce que je suis en train de faire là.
Hop. Toi aussi, un petit peu d'engrais comme ça. Vas-y. Donne ton corps à la science. Voilà. F. Hop. Alors bon, il y a un petit bug, c'est que les sacs d'engrais, ils sont comme ça au départ et après ils deviennent tout gris. Donc c'est dommage. On n'a pas le même skin ici. Et ensuite, là. Vous voyez ? Alors. Bon, ça c'est fait. Il y a quoi d'autre ici ? Machine à engrais, c'est tout. Ici. Est-ce qu'on a les parterres de fleurs, là ? Je sais pas quoi, là. Clôture agricole. Ça, c'est pour les animaux. Et ici ? Mais je le vois pas. C'est une folie, quoi. Je vois une caisse en bois classique. Engrais, aliments composés fabriqués. C'est pour les animaux. Attendez, mais il manque un truc. Je suis aveugle, c'est pas possible. Jardinière artisanale. 2 lits 1 x 3. Lit 1 x 3. C'est-à-dire quoi, lit 1 x 3 ? Lit 1 x 3, 2. Ça ? 2 sur 2, lit 1 x 3. Bah c'est ça, je l'ai. 1, 2. Ah, je comprends peut-être. Faut faire ça. On va voir. Eh ben oui. Ok. Eh ben dis donc, c'est technique. Hein. C'est technique. En fait, c'était des jardinières, ça. Et là, on met quoi, les graines ? Ramasser quoi ? Non, pas ramasser. On va les mettre les graines, on va voir ce que ça donne. Faut les arroser après ? Ok, on prend. On prend. Yes, petite graine de concombre. Usine. Ouais. Ramasser. Et là. Usine. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs légumes en même temps ? Ok. Ben, ça va pousser. Donc là, j'imagine un petit saut. Un saut. Utilisé pour arroser les plantes, les mangeoires et pour boire. Eh oui, mais faut aller au lac après. Ah bah putain. C'est artisanal tout ça. Le seau. Boum boum boum. Est-ce que je peux le fabriquer, le seau ? C'est des planches. C'est ça ? Je vais y arriver. Il faut deux planches. Il n'y a pas. Quoi, j'ai plus de planches encore ? Bon, j'ai du zombie par contre, ça c'est cool. Par contre, il s'attaque à ma voiture, là. Je sais pas, hein. Je me demande. Je suis plein, là, en inventaire, encore. Aïe. Attendez, j'ai un truc, là. Boum, boum. Voilà. Déjà, là. Hop, là. Touc. Usine. Oh, 0%. Bah oui. Effectivement, on va aller chercher de l'eau. Promis. Bon, toi. Tu vas venir avec nous. Bon, on aura déjà vu une bonne partie des mécaniques du jeu, là. C'est pas mal dans ce premier épisode. Je vais aller vider un tout petit peu d'inventaire ici. Donc, je remets l'engrais, la poussière, là, tout ça, là. Boum, boum. Tiens, j'ai encore des choses, là. Ça, je pose. Et on garde ça pour l'instant. Je vais aller chercher. Donc, je vais déjà mettre ça. Ensuite... Hop, ici, usine. Voilà. Je vais chercher des petits... Touk, 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 ici. Ça, pourquoi c'est là ? C'est pas grave, mais pourquoi c'est là ? Des petites planches, directement. S'il y a du zombie au passage, on prend. Ah, on va mettre de l'engrais aussi, j'ai pas pensé, là. Mais dans les bacs, faut mettre de l'engrais. Faut que ça pousse vite. Le zombie, il est en train de se baigner dans le lac. Hein. Vous le voyez comme moi. Hein. Complètement taré, le zombie, là. Ok, eh mais j'ai de l'eau en plus sur moi, attendez, j'ai une bouteille d'eau. On va essayer ça. La bouteille, là c'est des planches ça. C'est des planches. C'est une planche. Bon toi zombie, tu vas venir avec nous. Monsieur Zombie. Eh toi. Ouais toi. Yes. Viens là. Je t'ai raté. Voilà. Je t'ai eu. Ah, t'avais rien. Attends. Je te jette. T'es prêt ? Wouh ! Pas assez loin. Hop, c'était F, bien sûr. 1, 2. Il pleut des zombies.
Il pleut des zombies. Tiens, viens là-dedans. Tac. Merci à toi. Toi aussi, viens là. Voilà. Tu me rapportes rien, donc ta peine sera la même. Ok, fallait que je récupère d'abord ça. F. Tac, ici. Viens avec ta copine. Et voilà. Engrais. Est-ce que ça peut faire deux sacs? Ça va faire deux sacs direct. Donc l'engrais. Est-ce que je peux ici? Bien sûr. D'accord. Un sac complet, ouais. Ça me va. Les deux sacs sont là. Ici, on prend. Donc là, on peut ajouter de l'engrais aussi. Engrais. 0,5, 16%, d'accord. 33%. Ok, il en faut beaucoup, hein, d'engrais. Beaucoup, beaucoup. On va ramener de l'eau aussi. On va tester ça. Hop, seau. Le seau est là. L'engrais. J'en ai là. J'en ai ici. Et j'en ai là. On a de quoi faire en engrais. Hein. Let's go. On va re-remplir un peu d'engrais. Celui-là, de l'engrais. Du magasin. Ajouter de l'engrais, on est à combien? 15%. 32%. Ouais, 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 on est pas mal. Hein. Plutôt être malin, on va le mettre ici, l'anglais. L'engrais, pas l'anglais. Mauvaise herbe. Comment ça, mauvaise herbe? Allez, remplis-toi d'engrais. Oh, ça pousse bien avec l'engrais, dis donc. Ça pousse très bien. Hein. C'est pas reparser. Non, c'est pour tout le bac. Hein. Retirer quoi? Non, non, retirer rien du tout. On va ramener de l'eau. Allez. J'ai un message, réparer le véhicule. Je sais pas pourquoi et comment on le répare. On va essayer de trouver. Hein. Prochain épisode. D'accord, donc là, on prend l'eau comme ça. Genre là, on considère qu'on est full eau, comment je le vois. Ah bah si, en bas, il y a la jauge. Oh, je peux boire. Oh, incroyable. Ok. Donc là, je suis full eau, vous voyez, il y a une jauge sur le seau. En plus, je peux le laisser dans ma poche, le seau, c'est parfait, ça. Viens toi, viens voir. Est-ce que ça te dirait d'être transformé en sac d'engrais? Allez, t'es l'élu. Oui, 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 on t'entend, allez, viens là. Tu vas faire un bel engrais, tu vas voir. Voilà, dégaine. Voilà, dégaine du zombie. Voilà. Oh, un beau sac d'engrais. Alors, de l'eau. Non, j'en buvais, là. Quelle eau on a... Non, mais comment, là? Ouais, retirer. Non, je vais pas retirer. Je vais ajouter de l'eau. Ajouter de l'eau. Ok, 49%. Pas évident de viser là pour avoir. Ah voilà, c'est là. 100%, d'accord, bah ça va. Tranquille l'eau. Au 66%, 99%. Donc ça c'est bon. De l'engrais, j'en ai là. Un nouveau sac. Et on est bon. J'aurais bien aimé cueillir les premiers légumes, là. Pour les raqueteurs de l'armée, là. Ah, bah, il y en avait un là, de sac, aussi. On est jeté un sans faire exprès. F. 63. Et on est full. Toi, qu'est-ce que tu me veux? Toc. Toc. Allez, viens faire un beau sac d'engrais, toi aussi. Tu vas voir comment c'est cool. Boum. Hachoir. Je t'ai dit de rester là, ici, comme ceci, tout à fait. Salut toi, allez viens voir, tu vas rejoindre ton copain. Hop, je récupère les tissus quand même. Petit sac d'engrais, je me suis raté là.
double E et on est bon. Et voilà. E. Ah, je l'ai récupéré, pardon. J'ai eu peur. Peut-être je vais plutôt le mettre là. Tant mieux à la limite. Comme ça. On sera à côté. C'est pas plus mal. Bon. Ajouter de l'engrais, on peut ou pas? Ouais, on peut. F. Ok, ici. F. On est bon. Là, récupérer quoi? Ah, on voit le temps avant de récupérer. 48 minutes. Retirer. F. Pas ça. Non, récupérer. 35 secondes. Ah bah voilà, on a celui-là. Et lui, c'est long, hein. 46 minutes. 45 minutes. Je sais pas si en dormant, ça récupère. Attendez, on essaye. Je ne suis pas fatigué, je ne peux pas dormir. Donc dans 30 secondes, on peut récupérer un truc. Premier légume. C'est quoi? 1-0. Ok, récupérer. Trop bien. Citrouille et graines de citrouille en plus. Oh que c'est parfait ça, deux citrouilles. Magnifique. On a nos premiers légumes. Usine. Usine. Là je peux récupérer quand même. Hein. D'accord. Deux, trois patates. Je peux en replanter une. Bien sûr. Bien sûr, les patates font des patates. Bien sûr. Eh oui, tout à fait. En fait, je pourrais déjà récupérer. Et hop là. Concombre. F. Oh, c'est la classe. Regardez, on a tout prêt là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on est bien au niveau légumes. Hein. Ils vont être contents, les militaires. Ok, retirer. Mauvaise herbe. C'est de la mauvaise herbe ça. Ok. Mauvaise herbe. Ok. Bah ça va, c'est tout simple à comprendre. C'est tout simple. Et donc là, on a de magnifiques légumes qui attendent nos jardiniers. Nos militaires. Voilà. Voilà. Ah non, bah non, c'est nul. Ils les ont pas modélisés. Bah non. Bah non, les gars. Là, moi, je dis non. Des légumes, ça doit être modélisé comme une arme. On a des armes par terre et il n'y a pas de... Oh non. Ça, c'est pas validé, ça. Ok, bon, c'est pas très grave. On va manger un petit coup. Profitez pour manger ça. On va se battre. Non, je plaisante. On va s'arrêter là, surtout, pour cet épisode. Et puis, on refera sans doute un deuxième épisode pour aller un petit peu plus loin dans le gameplay de ce jeu. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo. C'était un gros travail pour moi. Je t'ai pas tout dit dans cet épisode, mais j'ai dû refaire deux fois la captation parce qu'avec tous ces problèmes de capture qui plantaient avec le jeu, je n'ai toujours pas d'explication, mais avec ces problèmes, eh bien, pour cette vidéo d'un peu plus d'une heure, moi, c'est 3 heures de gameplay minimum. Donc, le pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo, ça me fera super plaisir. Donc merci encore une fois à toi. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne Power si tu n'es pas encore abonné. Ça te permettra de ne pas rater les prochains épisodes de Power Gameplay sur ce jeu ou sur un autre. Et enfin, si tu souhaites me laisser un commentaire pour me donner ton avis sur ce jeu ou sur cette vidéo, n'hésite pas, c'est toujours un plaisir de te lire et de te répondre. Et en plus, ça m'aide aussi à mettre en avant cette vidéo sur YouTube. Donc double merci à toi. À très bientôt pour un prochain épisode de Power Gameplay. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.